Après quelques jours d'absence, donc c'était vraiment pas voulu, j'avais des imprévus, donc il y avait des choses avec une nouvelle recette. Donc c'est qui on va essayer de faire un dessert, juste un dessert genre ordinaire un dessert très simple et très rapide aussi à réaliser. Allez, donc pour cela on aura besoin des biscuits, n'importe quel biscuit it vram qui n'est pas de mar wekian, le petit beurre simple ken, donc de mar un paquet un merkier qui a fait aka this plusieurs this, alors si ça fait 12 personnes, c'est-à-dire des hachoirs d'art qui grossièrement ou elle aime mazel zour chouïa. Elle a l'air une grande cuillère, si je retrouve 40 poudres, certes aussi, certes, j'ai fait ce mode. Tout là, on va se mettre à faire notre lot d'équerre. On va se mettre à faire le biscuit dans le zinni. Et on va se mettre à faire l'étage de Zouarou, ça se trouve bien. Donc une fois que nous allons faire bien des chemins des souvenirs, je me remets sur la pâte tartine mais c'est vraiment chocolat mais le vrai mais c'est vraiment bien. Donc à demain qui n'est qu'il y a le kisani ou l'ivérine, c'est comme l'ivérine ou l'ivérine qui fera week-end pour le chouïa. À demain l'étage n'est pas seul, deux cuillères et demie, mais je connais de faire quand même un tven. Remettre le biscuit vraiment c'est vraiment week-end, vraiment c'est vraiment Oreo ou des hamelins le biscuit Oreo, n'importe quel biscuit c'est vrai. Ou on aime les gaufrettes aussi. Et capable de mettre ma wire. Et on va essayer d'appuyer. Okay. Donc une fois que maintenant que les livres et les normes se bien, tu se donnes flèche, c'est que ça se trouve. On a récupéré ça. Tout le qui garde donc nous n'arrêtons là où il fait, nous n'arrêtons là où il fait. Et de ce que nous n'avons toujours une square. Parce que nous n'avons toujours une square, on a eu aussi qu'un tvram parce que nous n'avons d'autres goûts après. Qu'est-ce que nous marquons que ce n'est. Après le sucre ça vous revient vraiment plus tard, vraiment moins. Et de ce que nous n'avons toujours une la maïzena. D'accord. جولينا كذا النص نخدم شويه كان الملح بوغ اجوستي لي غو كاينه كاين تي بانسي جو ميلونج تو اكا استسمضي اخدم غير لا فاني باسكو ابري غنسمع في لي غو نيفون دونك سا سيغ ا ريان اثناء راه كوري كي كي هذا ولون دو جمد شويه دو غالا ان شاء الله دونك ذاك ا بارتير دو مومون فريزي كي كي في الطف ولا مفرقه تفسين تولا ذاك يوث هذا سيرنو ان ياورت و شوكولا n'importe quel que vous voulez, danette, teinte vraiment. Donc une fois qu'on a mis le pot de yaourt, on mélange très bien. Comme je vous ai dit, vous pouvez rajouter n'importe quel goût vraiment. Mais avec ça, ça donne un très très bon goût. Une fois qu'on a bien mélangé, donc on va livrer une nara, on va mettre l'étage qui est là. Voilà.
هادشي ياك زياده ياكيا باش كنتفغ لا دوزيام ايتاب نيو كل هاز ديت بيان دونك ديك تاع غادي الطرف تجغ اتسمير اون اتوندون نخدم تيسنا فينا اي لا دوزيام ايتاب كي دونك كي نادس خدمه لا بات تارتيني اموند دي نوازيت كني ونني باردون خدمت لو غوث فغام دونك دماغي نبل كفيه هكا استخمر ما كي تحمى يفو بروفيتي ما في اللي تحمى باش تفسي زعما ما تجيب لي ليغوم ثقال لي ليغوم لي فروي باردون ديك الماس ما تبغان لا بانان سا مارش تري بيان افيك لا نوازيت اي لو شوكولا سينو خذ مثل لا فريز اوسي سا مارش تري بيان افيك لو شوكولا اوكي كيفي دونك يمكن اذا كي عاد مارشي تحسي البسكوي ني خدمة داخل هكا باش دي فار الكوتي كروستيوني اوسي داخل Voilà, café. Elle te fait très très bonne, bien sûr. Alors, je vais te faire un petit peu de temps. بغنية اكن تبغان بيان سور قولي وني دخمي ينيك فغا اي سا دونغا ان بون غون ارمي لفسام دغني ل لي نوا كونكاسي دغ لي زاموند اي لا ان سمير دونك لا دوزيام اباغي ني النار شلاق الكان هكا كيفاه اثيم كاون تفرف ولا ما تسام بلوزيغ كولور دونك لي طاج ني ثم زواروث puis ça fait elle garde ce et puis elle doura là inchallah tout à l'heure pour la finition et la présentation inchallah à tout à l'heure donc les qui entre-temps elle يخدم le dessert nina qui est demande un petit coquelic انا كي تخدم هذه الفول في شويه كان كي وحدز donc pour cela demande snet fini t-shirt rapperfent donc deux couches d'ail pour les épices donc demande fine gingembre le melh le romarin شويه النعناع لو بابريكا شويه اي فلفل افريكان اكو الكسبر الكسبر دونك جي بري دو بوافر نوار ان بو دو بابريكا دو رومارين دو جينجمبر ان بو دو كوريوندر مولو اي دو سيل بيان سور جو ميلونج تو سا جو مي تو سا سور لاي جو ميت ان فيلي دويل دوليف Vous pouvez mettre n'importe quelle huile que vous voulez. Après là, je vous donne juste une marinade parmi celles que j'utilise. D'accord. Et puis là, je vais mariner mon poulet très très bien de partout. Je vais essayer d'ouvrir même la pouillakir, même si elle ne se mange pas. Mais quand on fait cuire le poulet avec, ça donne un goût. C'est tout... Après, même si on ne le mange pas, on jette après. Voilà, je mets toute ma marinade à l'intérieur, entre la peau et la viande. Et bien sûr, à l'intérieur. Comme c'est un petit coquelet, donc ça cuit très très vite. Ça prend pas du temps du tout. Moi, j'ai préféré l'ouvrir de cette façon. Vous voyez comment j'ai pris le blanc néant. Il est fait quelqu'un, c'est la manière qu'il y a.
لكن كي نهكا غتخلى لي ليغوم دونك لا طوماط اي لا كاروت سي تو جو في ميتر جوست سا جوست بور لو لاكومباني افيك سي ليغوم لا زعما ما تخمين تفغام الفصول ان تفغام كينيا خماسكيا ويكيا Bien sûr, je vais l'accompagner avec autre chose, genre chou-fleur, nalhaja. Mais il n'est pas part. Donc voilà, je marine ça. Tout le monde va filmer le poulet. Il va faire le four à 170 degrés. Ça ne prend pas du temps. Donc on n'a même pas besoin de mettre beaucoup d'eau. Je vais mettre juste un tout petit peu une cuillère. Genre de rincer juste ces épices-là. Et puis, Inch'Allah, on aura tout à l'heure pour vous montrer le résultat de. Notre travail. Je le mets à cuire environ 45 minutes. C'est très très juste. Bah, je vais le faire bien grillé, bien cuit. De temps en temps, je l'arrose avec la sauce Nara Difron. Et Inch'Allah, je vous le montre tout à l'heure. Vous allez voir le résultat de notre plat. Et me voilà de retour. Donc, à faire une de préparer ce qui est. On va faire le dessert Nena. Je l'ai présenté de cette façon. Donc, je suis en la pistache avec. Les cerneaux de noix, pardon. C'est un biscuit. Vous pouvez prendre juste la moitié de biscuit et vous l'enfoncez dans votre crème. Donc, je vais la mettre. C'est la première partie nard, la deuxième, puis le pistache nez et la quatrième. Donc, qui nous dira là vraiment des heures et des heures. C'est à peine une trentaine de minutes, Ken, juste pour vous la présenter. Et le poulet nez de nard, fait. Donc, il est très très bien cuit. Je l'ai présenté avec des légumes, comme je vous ai dit, donc des choux-fleurs, des carottes, de la tomate. Donc, là, vous pouvez remarquer qu'il y a quelques toilettes, à peu près un petit phare, un petit pof. Elle est super super bonne. Rien à dire, trois mélanges magnifiques. Vous l'essayez, vous allez voir qu'elle est super bonne. Donc, pour cela, je vous dirai alors bonne soirée. À très bientôt, Inch'Allah, pour une nouvelle recette. Au revoir.